Bonjour à tous. On va pouvoir commencer aujourd'hui la deuxième partie du tournoi de Stones in the Shell. Donc là, cette fois-ci, je vais être contre Terzani. On va essayer de faire un peu plus attention au temps. Parce que la dernière fois, j'étais surpris par Lord Fisher. J'avais complètement oublié que c'était ça en fait. Et normalement, la partie va commencer tout de suite. Là, dans... Il va m'inviter là en fait dans 2 secondes. Et cette fois-ci, il est 2 QFG. Bon, après, un du QFG, 2 QFG, ça change pas grand-chose. Mais il est un Dan OGS. Donc, il est peut-être. Bon, il est peut-être un petit peu au-dessus de moi, je sais pas. On verra. On verra, on verra. Mais ouais. J'espère que ce sera. Bon, après, la partie d'hier, en soi. Avant-hier. En soi, j'ai. Bah, j'étais content de la partie. Parce que toute la partie était assez serrée, c'était. Ça s'est pas mal joué, je trouve. Celle-ci, là, tac. C'est à la fin où j'ai merdé un peu. C'est dommage. Je dirais que jusqu'ici, c'est serré, en fait. Là, je pense que je suis un peu devant dans la partie. Bah, d'ailleurs, un peu devant. 8,4, ils disent, eux. Et bon, pour ce que ça veut, je ne sais pas si c'est fidèle ou pas sur OGS. Mais en tout cas, j'ai des groupes solides, ça va, et je trouve que c'est lui qui peut se faire réduire plus que moi. Donc. Ouais, il y avait H2 qui était très gros. Juste ces petites avancées, j'avais pas besoin de chercher plus. J'étais un peu gourmand. Ouais. Ici, je pense que là, j'avance juste là, et c'est bien. Et comme je suis un peu en avance, j'ai pas besoin de d'être trop gourmand, quoi. On va dire qu'il ferme. D'une meilleure manière comme ça. Sauf que bah, ça l'avance pas forcément en point. Et si je fais ça, ça peut rapidement être chiant pour lui. Bref. En tout cas, la partie. Ça allait, je trouve. Bon, ça a été jusque-là, voilà. Et là, c'était un peu fini pour moi. Le move du désespoir. Et j'avais plus que 20 secondes par coup. Et lui, il était encore à 30 minutes. Donc, j'ai pas du tout bien géré mon temps. On va essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux. J'ai utilisé trop de temps au début, peut-être. Peut-être que ça. On va voir, on va voir, on va voir. Est-ce qu'il m'invite? Non, toujours pas d'invitation. Je sais pas où c'est, non. Je vais vous mettre la musique et cette fois, je vais essayer de pas mettre trop fort. Vous me direz si c'est trop fort ou pas. Je pense que non, ça va. On me dira rapidement, je pense. Mais pour YouTube, sur YouTube, il y a plusieurs qui disent qu'ils ne m'entendent pas trop. Donc je vais essayer de faire mieux ça. Et je vais mettre ma propre musique à moi aussi. En attendant l'adversaire. Ouais, ici. Tac. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Un truc chill aussi, je pense. Et l'une. Nickel, nickel. Je sais pas pourquoi il m'invite pas. Il m'a dit, je t'envoie la demande de partie, tu acceptes quand tu es prêt. Bizarre, j'ai pas reçu. Alors j'ai mal tapé mon pseudo pour lui. Terzani, je vais l'inviter au pire, tout simplement. Je vais l'inviter. Tac. Défi. Et j'avais mal mis, j'avais mis les règles japonaises alors que c'est les règles aga. Tac. J'ai l'impression que c'est bon. Ça doit être ça. Envoyé. Et on va être parti. On va être parti. S'il veut bien accepter. C'est bizarre, il m'a dit il y a 5 minutes qu'il m'a envoyé le défi. Il m'a pas envoyé, là il répond pas. Ah c'est bon. Ok, nickel. Je me mets sur le bon slide, hop. Voilà. Alors on marque vague 3.
Et on lui dit bonne partie. Voilà. Et je suis noir encore une fois. Ok. Ok. Je vois que les gens arrivent tranquillement. Bon, bonsoir à vous. Pour ceux qui savent pas, on est dans une partie. Bon, il est marqué dans le titre, mais ma deuxième partie d'un tournoi contre FFG qui est en ligne avec The Stones in the Shell. Il y a quoi? Il y a une dizaine de poules. Je suis dans le groupe C. Et j'affronte en général des 1Q, 2Q, FFG. Je suis moi-même 2Q, FFG d'ailleurs. J'ai perdu la première partie hier. J'espère faire mieux cette fois-ci, on va voir. Après le mois dernier, je jouais contre des gens qui étaient à peu près à mon niveau. Et j'ai réussi à me qualifier pour le groupe au-dessus. Mais là, ouais, bon, c'est surtout profiter de pouvoir jouer contre des joueurs plus forts. Est-ce que je prends un? Il approche. Où est-ce que j'approche directement ici? Je joue là. Non, j'ai pas envie de laisser le choix d'aller là en fait. On va directement aller là. Il va venir ici ou fermer son propre coin. Mais ça m'étonnerait, en général on laisse pas de Shimari à l'adversaire. Ouais voilà tout simplement. Ensuite. La dernière fois j'ai fait une longue pince comme ça m'avait plutôt bien réussi. Donc je pense que je vais refaire. Salut Stone on the Goban, comment ça va? Ouais, ça m'a plutôt bien réussi la dernière fois comme ça, donc on verra. Salut à toi Lenko. Bienvenue à tous. Ça ressemble énormément, c'est quasiment la même partie que mardi du coup, qui était très serrée jusqu'à la fin, à l'exception qu'ici c'était un Hoshi. Donc ce bord aura encore moins de valeur qu'avant, quand je fais ça. Pas que la dernière fois quoi. Mais on verra bien. Est-ce que la musique ça va cette fois-ci? Parce qu'on m'a dit encore une fois que la dernière fois c'était un peu fort et qu'on m'entendait pas trop. Je pense que ça va, hein. J'ai baissé pas mal, mais. À tel point qu'on n'entendra peut-être même plus la musique au bout d'un moment. J'aime bien cette petite passe un cran plus loin. Je pense que c'est pas mal d'adversaires ne savent pas trop comment gérer ça après. La dernière fois, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il est venu directement ici, l'adversaire mardi. Ça ressemble. Merci Alenko. Ouais, mardi, c'est pas passé loin. Vraiment, je menais de 5 points, 6 points jusqu'à la fin. Et sauf que quand t'as plus que 20 secondes par coup, puisque j'ai mal géré mon temps et l'adversaire 30 minutes encore, on va dire que c'est plus compliqué. Mais c'est ma faute, hein. C'est à moi de savoir gérer un temps. Juste prendre le coin, je pense. Mais ça montre que même si bah, mardi, même si t'as un QFFG que je suis 2, c'est pas. Voilà quoi, il y a des parties qui se prennent quoi. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je suis pas sûr que j'ai cliqué. Alors, ici, genre, on a envie de descendre là directement, mais je pense que si je joue là, tac, tac. Content. Je pense qu'on doit faire de l'atari là. Le bon coup de forme, tout simplement. Il est obligé de répondre. Et je descends. Ouais, il faut descendre quand même. Mais et après, il fait quoi? Il fait une extension. Je pense que c'est le truc à faire.
Ouais, je me suis. Bah, moi, c'était la... là, c'est la deuxième fois que je joue avec le temps Fisher et la première fois mardi. On me l'avait dit, mais c'est il y a 2-3 semaines, et du coup, comme j'ai mis un peu de temps à lancer mes parties, là, j'ai complètement zappé. C'est... Mais bon, ça arrive. Ouais, c'est d'ailleurs ce coup d'abord. C'est pour obtenir le CNT, mais du coup, je crois que je peux faire ça d'abord. Si je vais là, qui met Atari, tac, tac, qui descend, je peux aller là, donc il est pas vivant. Donc il est obligé de. Quand je vais là, il va là et je prends la pierre. Et après, il peut se protéger un peu mieux. Ouais. Je crois que je dois faire ça. Je vais peut-être faire l'Atari quand même d'abord. Pour laisser de la G. Non? Ok. Bah c'est exactement ce qui s'est passé et là quand j'ai en fait c'est je suis revenu à la raison quand j'ai entendu le 19 et je suis il y avait pas un truc avec le temps et je crois que je dis ça dans la VOD ici quand je fais ça il fait quoi c'est bizarre son coup non c'est peut-être normal ici il fait quoi il fait ça et du coup avec mon coup maintenant ici je peux aller là donc non quand je vais là il va peut-être ici finalement. Et si moi-même je viens maintenant ici? Tac, attaque, il descend. Il vaut mieux que j'aille là. Il bloque. En fait, sinon, il bloque, ouais. Est-ce que je risque quelque chose? Il descend. J'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4 libertés. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que ça passe pour moi pour l'instant. Même s'il bloque, je pourrais venir en. Ouais, voilà, je peux venir titiller. Je suis pas certain de la séquence pour noir ici, du coup, pour blanc ici. Peut-être pas aller trop proche. Un truc comme ça suffit peut-être. Là, il faut que de toute façon que j'ajoute un coup par ici. En vrai, c'est pas mal, je trouve. Et après, la montée ici. Voir le kéma comme ça. Pas dit qu'ils descendent là. Ah, si. Il vaut mieux séparer, peut-être quand même. Ou alors ce coup-là. C'est pas si mal. R12. Ok. Je pensais que ce coup d'ailleurs il le ferait directement tout à l'heure. Eh bien c'est bien du coup pour lui. Là je vais sortir. Ce groupe là il a pas. Bon, c'est... il est pas embêté non plus mais. C'est quand même cool qu'il ait déjà un groupe on s'interroge quoi. Parce que s'il descend, je peux prendre l'avantage, donc c'est pas forcément top pour lui. Ici, il faut que je continue, je pense. Parce que si lui, il joue ici, ça peut commencer à devenir très chiant et il se fait une belle influence. Je perds rien à jouer là, je pense. Et moi-même, je peux prendre de l'avance en jouant là. Je suis en avance de ce côté sur son groupe. Si après, je monte ici, ça peut être chiant pour ça. Bon, après, monsieur, ça...
Je pense qu'il n'y a rien à perdre à faire un Toby vers le centre. Dans le point vital de la forme. Est-ce que si je joue là, quand il va ici, je vais là, il va là, je vais ici. Du coup, il continue là. Je me demande si ça, ça marche pas. S'il descend, je vais là. S'il essaie de couper comme ça, je peux aller là. Il fait atterrir ici, tac. Ouais, mais quand il va là. Ah non, si je joue ça, il descend ici, je vais là. Il va ici, je coupe en angle vide. Et du coup, il m'atterrit, je vais ici. Il m'atterrit, je vais là. Il joue ici, je capture. Il joue là, je complète. Il va ici, je joue là, il joue là, et il capture tout. Donc en fait, je peux pas jouer. J'ai l'impression que ça ressemble à un Tetsuji d'une autre, d'autres Joseki, mais non, ça marche pas du tout du coup. Il peut descendre et il se passe rien. Dommage. Bon. Peut-être qu'il faut pas être trop gourmand, juste jouer à 17. Je sais pas. Le O15, il attire aussi. Mais ça a l'air d'être un nid à mauvaise forme en fait. Tac, tac, je vais ici. Je me protège là. Je pense que ça va. Direct sur du combat, alors que l'autre partie il y avait quasiment pas eu de combat, c'est différent. Moi qui voulais ne pas trop utiliser tant en début de partie, je suis déjà 5 minutes utilisé. Beaucoup plus de mal à gérer mon temps que mes adversaires, c'est bizarre.
Maintenant, ça marche. Parce que là, si je fais ça, on imagine la protection très facilement. Il va ici. Je vais ici, pardon. Et là, il sacrifie sa pierre. Et il a une influence de plutôt excellente. Si je fais ça. S'il descend, cette fois-ci, c'est différent. Parce que c'est quand il coupe. Je descends et c'est bon. Et là, il a pas. Il me colle pas en fait ici. Donc ça va. Ce que je pourrais regarder, c'est qu'est-ce qui se passe s'il joue. Quand moi je joue M16, qu'est-ce qui se passerait quand il joue L16? Est-ce que j'ai droit d'aller ici? Non. On atterrit là, tac, il me prend un chichot et c'est fin l'histoire. Quand il va ici. Je descends. Et il descend aussi. Et là, si je vais là, il coupe. Je vais ici. Chercher beaucoup de combats pour pas grand chose. Et si, bon, tout simplement, je vais là, ouais. Oh, j'ai l'impression que ça va quand même. Ça va créer du combat. Mais c'est bien, ça va changer la partie l'autre jour. C'est bien de jouer des différents trucs aussi. Là, je pense à vraiment L16 pour lui. Ouais, on voit les mêmes choses, c'est bien. Donc là, je pense que je descends. Descends. Est-ce que je peux jouer là par contre? Parce que je me demandais celui-là, mais maintenant qu'on voit un peu mieux, celui-ci, est-ce qu'il passerait pas? Il joue là, tac, et il va ici. Et il est content, il a quand même une belle influence. Truc du genre, je pense. S'il essaye de l'autre côté, tac, tac. Il pousse de ce côté, il peut pousser là, il pousse là. Et il se fait quand même un beau mur. Je sais pas. Ça passe bien, je pense. Je peux couper. J'ai droit, je pense. J'aurais deux pierres isolées, mais elles sont pas en danger non plus. Et la descente ici ne marche pas. Je joue un peu avec le feu pour mes formes ici. Je pense que j'aimerais beaucoup avoir une pierre en R18. Qu'est-ce qu'il aura envie de faire ici? Je pense que là il calcule s'il sacrifice de pierre par exemple en poussant jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en jouant par là après? Le problème c'est qu'il y a toujours le problème de la coupe pour lui. Il faut. Ou alors s'il met Atari là. Ah,
plus toujours la connexion ici. Dommage pour lui que ce soit pas fini ici aussi. Je pense qu'avec tous les petits trucs là, ça se gère en fait. À mon avis, il va laisser tomber l'idée, il va faire M17. M18, pardon. Je vais sauver mes deux pierres. Et il va jouer J16. Une séquence simple, je pense. Ok, bon, je me trompe. Il a dû lire peut-être un P18, quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça va être? Si je viens ici, qui connecte. Ouais, c'est un peu dangereux quand même ce que je fais. Ouais, j'ai pris des gros risques. Si je fais ça et qu'il descend. Je peux pas couper en fait. Il connecte ici. J'ai encore une, deux, trois libertés. Si je vais là, qui va là. Non. Tac, tac. C'est là, je vais là, il va là. Je mets un Atari, il capture. Je remets un Atari. Non, je fais là, tac. Le problème c'est si je vais ici, il ira peut-être ici plutôt. Ouais. Ouais, tout simplement. Aïe aïe aïe. J'ai fait des bêtises. Dès le début de partie, là j'ai fait une grosse bêtise. Compliqué. À tout moment il peut aller là en plus. Ah là c'est compliqué, j'ai joué beaucoup trop avec le feu. Est-ce qu'il n'y a pas un coup qui me sauve ici? Ouais, que c'est me... Peu importe le coup que je joue, entre ça, 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 tant qu'il joue ici, je suis obligé de rajouter. Et après, il peut aller ailleurs. Aïe aïe aïe. Il joue ici, il joue là, je joue ici. Cela. Et là, il peut lancer un coup. Ou même connecter tout simplement. Salut Morlac, bienvenue à toi. La partie est très compliquée dès le début. J'ai fait une grossière erreur. Enfin, grossière. J'ai été gourmand, je pense. Mais c'est quand même un cran au-dessus de moi, je trouve. Hein. Dans cette ligue-là, pour le coup, ce mois-ci.
Je vais vite retourner dans le groupe D. C'est ça. 6 pouces que je vais là. Enfin, d'abord, il va ici. Je vais là. 6 pouces que je vais ici. Il pousse là. Je descends d'abord là. Peut-être que j'aurais dû aller là d'abord, je sais pas. Ah non, il aurait été ici. Bon, ça a l'air compromis. Ouais, la partie va être peut-être plus courte. Au moins, j'irai pas jusqu'à la fin du temps, c'est bien. Peut faire ça si je vais là. Il va ici, là, donc ça il peut pas. S'il va, s'il connecte, je connecte. C'est bizarre. Ça passe ça? Ça me semble bizarre. Putain, j'ai la berlue ou... J'ai l'impression qu'il a fait une erreur. Sauf qu'il m'a tellement emmené en bateau jusque-là, je trouve ça bizarre quoi. Que je vois pas. S'il vient ici maintenant, je connais de là. Non, ça passe pour moi. Il va tenter la descente ici, je suppose maintenant. S'il tente la descente ici, je fais quoi? Je fais ça. C'est le même droit d'aller là. Tac, tac, tac. Bizarre. Hein. Bon, ça ici, ça me relance, tant mieux. Hein, mais... Surtout s'il se passe rien avec ses 4 pierres, s'il les prend pas, finalement ça lui aura juste fait un gros faible. Bon, après c'est pas fini, hein, je vois peut-être pas tout. Je ne vois peut-être pas tout. J'ai l'impression qu'il n'y a rien pour lui maintenant, mais à la place de ça... Ouais voilà, du coup il va se rabattre sur ça. Bon, je vais bien lire maintenant cette fois, parce que si là je fais pas de bêtises, il a un gros faible. Bon, normalement ça vivra, avec les coups forçants il y a déjà un œil ici. Tous les goûts forçants, voilà, il fait 2 yeux assez facilement, mais il a un petit truc qui fait rien. Et ça me ferait un gros coin bord. Et j'aurais sûrement l'initiative. Ou peut-être pas quand même. Alors.
J'hésite entre S17 et S18 ici. S18, ça a l'air tac tac tac. Il a plus que 3 libertés. Ça a l'air pas si mal. C'est peut-être gourmand. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Si je fais ça, il va... tac. Je vais ici. Il va là d'abord. Je capture. Il va là. Mais là, je vais là. Et du coup, il peut plus descendre. Non. Donc si je vais là, tac. Il m'atterrit plutôt ici. Je vais là. Il fait d'abord le petit truc ici. Tac, je capture. Il me resterait 3 libertés, tac. Ça passe pas pour lui hein, si je fais ça. Bon, il voit, là je pense qu'il va prendre un chimarié quand même. Non. Ah, il peut pas laisser ça comme ça. Après, je suis pas sûr de pouvoir. Est-ce que je peux bien l'attaquer en un coup? Est-ce que ça sert vraiment d'attaquer ça pour l'instant? Parce qu'il n'y a pas de zone que je peux développer en attaquant ce groupe, vraiment. À sa place, je ferais peut-être le Shimari du coup. Ouais. Enfin, là, il doit surtout être en train de regarder s'il n'y a pas quelque chose quand même, parce que c'est gros. Bah ouais, c'est. Et là, je sais pas, c'est. Son beaucoup, c'était vraiment le coup à celui-ci là, N16. Dans ma forme, il était vraiment propre, je trouve. Faudra que je vérifie, parce que ça doit être un truc qui se voit souvent, parce que on était pas loin du début d'une séquence qui est à peu près classique. Donc, voir si moi, le N11 était trop. J'aurais tendance à penser que c'était même le R11 qui n'était pas bon. Renfermé au milieu, j'aurais dû faire un truc plus en l'air et juste attendre, ou alors directement jouer vers ça. M'appuyer d'abord de ce côté et ensuite jouer. Je sais pas. Oh là là, ça va être compliqué tout ça. Autant capturer, non? Là, je suis en train de calculer ça. Sauf si ça passe sur 100%, quoi. Je vais ici. Il capture. Je capture ici. Attends, non. Non, bah non. Si je vais là. En O16, là. Il capture ici, parce qu'il a pas envie de jouer là. Mais là, je capture pas en fait. Je vais là. Et ça revient à la même chose. Je pense que là, il lit la capture ici, que je capture directement. Si je vais ici. Parce que là, pour l'instant, il irait là, tac, tac. Ah, si je vais là. Il va ici. Je capture. Il y a un coup, quoi, quoi qu'il arrive. Sauf si je... Tac, tac. Je capture. Il va là. Je capture. Il va ici. Je capture. Il doit gagner deux fois un coup.
C'est ça, hein, si je me trompe pas. Il doit gagner deux fois un coup. Donc une première fois, je peux obtenir quelque chose s'il gagne. Mais la deuxième fois, par contre, je devrais lâcher un petit truc. Donc ça peut être kiff-kiff, mais comme c'est un gros très gros coin, c'est pas que vraiment du kiff-kiff, c'est pas mal pour moi. Sur la partie, quelqu'un qui regarde. Guest, ok. Ouais, ça c'est logique. Ok, je joue sans problème. Ça revient au même. Au moins il pourra attaquer plus facilement ça, donc il veut se garantir ce coup. Ok. Je capture. Ouais, c'est impossible, je pense, pour lui de gagner ça. Ok. Effectivement, maintenant, il y avait ce genre de coup-là qui l'enfermait un peu. Mais je pense qu'il pouvait faire deux yeux, hein. Il joue ça, je capture. Il joue là, bon, même. Ouais, il y a plein de trucs pour vivre. Là, ce qui est cool, c'est que je peux approcher ici. Ça, c'est vachement bien. Faut pas que je joue trop compliqué la fin de partie là. Enfin la fin de partie, la suite de la partie. Et il va attendre ici avant de jouer le truc, il va attendre qu'il y ait des meilleures situations. C'est normal. Mais pour moi ce serait beaucoup trop long de prendre maintenant. Je peux pas laisser, je prends. Si je l'empêche ce Shimari, c'est quand même vachement cool pour moi. J'aurais pu jouer ça aussi. Non. Plus tard. Ah, il aime bien aussi cette pince. On va prendre le coin. J'hésitais avec D4 où il recule ici. Je fais le Toby, il avance et je joue le Toby vers le centre. Pour gagner un peu de force vers le centre, parce qu'il y a ça, on connaît pas trop le statut, même si S3 aidera beaucoup. Et il y a ça plus tard aussi, on sait jamais en fait gagner la puissance sur l'extérieur. Mais je me suis dit que c'est vraiment trop une pensée tuer, tuer ou attaquer, attaquer. J'ai pas besoin en fait, si j'ai ça de sûr, là j'aurai une zone, quoi qu'il arrive, si à un moment j'arrive à choper le S4 moi, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus quoi. Le but c'est de gagner 0,5, pas de. En tout le plateau. Ça va, le temps, je m'en sors mieux que la dernière fois. Pour l'instant. Est-ce qu'il va prendre le coin? Est-ce que je peux toujours avoir les sœurs hein, s'il décide de jouer le B3? Je pense que je suis satisfaite. J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de potentiel ici. Si je fais ça, tac, la protection. Déjà, il a ça, c'est très embêtant de relier là. Et en plus, n'importe quel coup d'écrasement. Donc, je vais plutôt faire de ce côté. Ici, il a du gros potentiel. Donc, il faut le gêner. Est-ce qu'il va tenter un F3, quelque chose du genre? F3 ça passe je pense. Je peux pas descendre. Il va là. Si je mets Atari, il monte. Je vais là. Ouais mais là il recouvre ça. En même temps c'est super dangereux. Il va là que je descends. Qui coupe. Je vais là. Ouais c'est super dangereux en fait.
Qu'est-ce qu'il pourrait jouer maintenant? F17 par exemple. Ou C11. Si c'est un joueur assez agressif, peut-être vers F5. Voir faire quelque chose avec ça, parce que maintenant il est vachement bas ici. Les attaques comme la suite, là, Q10, je protège, et ensuite un S9. On voit souvent cette forme-là pour attaquer. Et maintenant qu'il est bas ici, ça marche d'autant plus. Plusieurs options, ouais. Ou S3. Je sais pas ce qu'il va faire de son initiative là. Je pense qu'il regarde beaucoup ça. En même temps, c'est dur de construire ici parce que c'est très solide en face. Chiant. Je suis même pas sûr d'avoir fait la bonne séquence. Si, il faudrait que je vérifie avec le bot par exemple, ou si quelqu'un qui sait par exemple. Tiens, je vois Thérapie Go. Il va faire ses attaques sûrement, mais sur fond de co. Le truc c'est qu'il faut que j'ai une menace suffisante et j'en ai pas, donc je suis obligé de prendre. Si je protège. Je recapture. Peu importe ce que je fais, il va là. Maintenant, il faut faire vivre ça, sinon c'est la galère.
Ouf, ça va être chaud. Et au pire, s'il tue pas, ça lui fait une très belle influence. Si je fais ici, il va tout simplement là en fait. Et il se passe pas grand chose. Si je vais là. C'est chaud. C'est chaud de faire vivre ça. Ah, t'inquiète pas, Elenco, c'est normal. Merci à toi. Je pense qu'il y a des coups où j'ai fait des trucs bizarres. Hein. Là, c'est la séquence, elle est sûrement questionnable. Là, ouais, sûrement qu'après ce coup-là, au lieu d'approcher, du coup, vu ce qui s'est passé, j'aurais dû rajouter un coup. Oh, j'ai sûrement une manière simple de vivre. Si je vais là, il va ici. Je protège. Matari. Ensuite, il protège. Sauf que là, c'est ça qui sera en danger, c'est chiant. J'ai même pas gagné un œil plus que ça, quoi. Ah, va manger, va manger. Ah, j'ai déjà mangé juste avant speed. J'avais pas vu l'heure passer, il était quoi, 20h20, 19h20, j'étais là, merde. Une soupe chinoise, ça fait l'affaire. Ouais, à toutes. Bon, je pense que ça va durer encore une heure. On va voir. L'autre jour, ça a duré quoi? 2h15? 2h20? On va voir, on va voir. Et là, il faut que je fasse attention à mon temps. Bon appétit, en tout cas. Ça passe bien, hein. S'il protège juste. Non, c'est nul. Tac, tac, tac. Super chiant, c'est cool. Ouais. Je pense qu'on va essayer de vivre en direct comme ça. S'il me tue pas ici, il a pas de points encore. Bon, il a une très belle zone d'influence ici et une belle zone d'influence là.
Ok, de cette manière. Tac. Il protège. Je vais ici. Si je vais là. Ah, il va peut-être là et ça fait mal. Ouais. Autant reculer. Il protège. Je vais là. J'ai l'impression que ça passe. Après, voilà, il peut me piquer le coin comme il veut. Il a un très 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 beau mur. Ouais, j'aurais dû rajouter un coup à ce moment-là. C'était pas très compliqué à lire de voir qu'il allait faire une murmure comme ça, genre jouant de ça. J'aurais dû juste, à la place de ça. Attaquer ça, tout simplement. Jouer de l'action d'ici. Si je vais ici, il va là. J'ai pas forcément deux yeux. Hein. Parce que ici, en jouant là, il joue là. Fin de l'histoire. Donc je suis obligé de jouer autre chose d'abord. Et si je vais ici? Il peut aller là. Je vais là, il connecte. Compliqué, hein. Compliqué de vivre ici. Si je vais ici et qu'il veut directement les faire chier, je peux aller là. S'il coupe, je vais ici, Atari. Il s'en va. Je fais un autre atterri, tac. Encore un autre, il va jusqu'ici. Je connecte. Il doit connecter, je connecte. Donc on va essayer de se faire un œil par ici et un autre là, quoi. Problématique, hein. Parce que même si je vais là, il va ici, je descends, il connecte, je vais là, rien ne l'empêche de monter. Ah, c'est chaud.
Si je le fais comme ça. Bon, elle est là d'abord, tac tac. Ensuite il va là, je vais ici. Connect dessous, je vais là. Ouais, mais quand il ira là, ça c'est un faux œil. Je suis mort. Aïe aïe aïe. Si je vais ici, ils veulent là. Ça a l'air compliqué, là. Si je vais là, bah, il va tout simplement ici. Et si je vais là, je vais aller directement ici, je vais ici, il monte, je vais là, Atari, tac, Atari. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai l'impression que c'est mort. Et ça, c'est gros. J'ai peut-être pas la lecture suffisante en fait. J'ai l'impression que c'est mort. On va prendre des points. La partie est compliquée là. Bon, maintenant il faut défaire son influence. Ah bon, c'était pas mort, il pense. Ah, je pense que si, quand même.
Allez, on va faire ça. On va créer du combat. Oh là là, il me fait faire des formes de merde, hein. C'est incroyable. Je fais n'importe quoi, je pars en roue libre. Je pars en roue libre, aïe aïe aïe. Il sait bien jouer sur mes formes, là je fais de la merde. Ouais, j'ai fait n'importe quoi là, dans la... j'ai joué trop vite, et voilà ce qui arrive. Je suis en train de lâcher la partie, là il va juste protéger au bout d'un moment ici. Et ça va être compliqué. J'ai l'impression que je vais lancer la partie quand même là. C'est un peu dommage. Immense hein, ce que je lui ai donné ici. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai commencé à jouer si vite, je sais pas ce que j'ai fait. Très bizarre. On va réduire un peu ça quand même. On va essayer de tourner ici. Je suis fatigué. Ouf.
parce que ça peut vraiment être en danger. Si je joue par là, il peut abandonner cette pierre au profit de tout ça en fait. Je pense qu'on va juste céder ces pierres. Le coin parce que le R2 là il aura commencé à faire très mal. J'ai trois coins. Capturé 14 pierres, lui, mais lui pas mal aussi. Hein, avec les 4, 6, 7. Ça vaut bien. Je pense que ça vaut ce qu'il y a là. Sauf qu'il a ça en plus. Il a ça. Et ici, j'ai les coins. Il a le commis. Je sais pas du tout comment on est là. Il faudrait. Ouais, on va compter. On va essayer de compter quand même. On va essayer de compter. Ouais, je le compte quasiment 30 points en avance en fait. Est-ce qu'il faudrait il faut continuer ou pas? Je suis raconté ici, mais il n'y aura pas grand chose ici de toute manière. Est-ce que ça sert vraiment de continuer là? Je pensais pas être tant que ça en retard. Mais c'est trop immense en fait tout ça. On va voir ce qui se passe ici, mais pas grand chose, je pense. Ah, je suis bête, qu'est-ce que j'ai fait la fin de séquence et tout? C'est un peu bizarre. C'est bizarre qu'il y ait une si grosse différence entre lui et moi là, par contre, en niveau quoi. J'ai l'impression que je me fais écrabouiller en fait. Ouais, là il sécurise ça. Ouais, j'abandonne. J'abandonne, je peux rien faire. Il est largement devant. Ouais, il est large en avance. Le bot, je lui dis 21 en avance, lui. Salut Auréade, ça va? Je me suis fait éclater là, j'ai pas compris trop là, c'est bizarre. Attends, je trouvais pas au début que je jouais si mal, c'est bizarre. Mais dès le début, il m'a eu.
Il me dit justement que j'ai un peu lâché, c'est bizarre. Comment c'est... Merci pour le follow, le roi des fées. Bienvenue à toi. Il me dit, il n'y avait pas moyen de sauver ton groupe à droite. Mais c'est vrai que si je le sauvais, bah en fait j'achetais l'argent en avance, hein, mais je trouvais pas, du coup je jouais ailleurs. Je ne voyais pas de tenter alors que aucune de mes lectures ne passait. Les travers schéma, oui. Bah là il m'en a fait un ici, ouais, qui est un schéma qui était bien dégueulasse. Ça fait bien plaisir quand tu l'es fait, moins quand... Hop, il m'invite à la révision. Bon, bien sûr, tech, mais disons ça. Ah bon, il a quitté, ok. Bonsoir Kinugu, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. On va, là je vais revoir une partie avec mon adversaire du coup. Une partie où ça a été particulier au début. J'ai trouvé que la séquence là au début pour lui elle était plutôt bonne. Enfin il y a eu, j'ai fait des erreurs en fait plus tard. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu jouer plus simple et genre ça. Je me suis pris la tête pour pas grand chose à ce niveau-là de la partie en fait. J'ai perdu 5 minutes, je savais pas trop quoi jouer alors que j'avais juste le Nobi, je sais pas. J'avais peur que ça fasse pas un bon truc et tout. Chercher compliqué, mais c'est vrai que bon, je sécurise ma zone. Donc, lui, il voyait cette séquence tout simplement pour que j'aurais dû faire. C'est bien plus simple. Et en plus, avec la séquence que j'ai faite tout à l'heure, c'était comme ça, là, voilà, je réveillais en fait beaucoup d'edge ici, c'était vraiment foiré, quoi. En fait, ça, c'est vraiment de la gourmandise. Ici, j'ai... Au lieu de faire le Nobi ici, j'ai cherché des trucs très compliqués. Et du coup, j'ai fait... Mais j'ai fait de la merde, quoi. J'ai eu la chance sur la fin, hein. Il a, je pense que P15. Au moment où il a fait P15, c'était l'erreur, je pense. Il a joué, ouais voilà, s'il connecte, à la place... là en fait à la place de N15, il a joué P15. Et du coup j'ai coupé, j'ai vraiment pas compris sur le coup, parce que ça, il a annulé le combat en fait, il perdait toutes ses pierres. J'ai pas trop compris, alors que là s'il connecte, je sais pas. C'est chaud.
Je fais sûrement ça. Et ça se discute quoi. Ça se discute à partir de ce moment-là. Et ici, est-ce qu'il a le temps? Non, parce qu'il y a ça. Donc, attends, même s'il y a ça en fait. Bah non, il y aura un snapback. Non, ça passe pour moi. Du coup, ici, quand je joue... Non, bah non. Donc il peut pas. Attends, quand je joue ça... Il doit aller là. Sauf que là, je peux aller là. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est compliqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 libertés contre 4 pour lui. Ça a l'air compliqué pour lui de vivre. Je vais te laisser prendre. C'est un peu bizarre au GS parce qu'on a tous les deux la main. C'est un peu bizarre. Ah mais je vois pas ce qu'il est en train de faire en fait. Là je vois les coups qui bougent sur le côté, je vois les séquences qui bougent, mais je vois pas ce qu'il regarde. Ah si c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a. Ouais mais là on continue. Ouais voilà, ici. Y'a rien hein. Parce que pendant ce temps, en fait, toutes ces séquences, le groupe concerné perd pas de liberté. Mais c'est toujours mieux que la séquence de tout à l'heure, parce qu'il perd pas les pierres ici, donc... Ce groupe, c'est un peu mieux, hein. C'est... Il aura toujours la descente ici santé, qu'il a eu dans la partie, donc ça va, c'est... C'est pas mal. Voilà, ça c'est la séquence qui s'est déroulée. Ici, je pense que je dois... je sais pas... je parlais déjà en fait de ces trois pierres qui étaient très dérangeantes. Je sais pas, moi je... En vrai, une œuf, un truc genre... Ah, lui, il a cru que je disais qu'une œuf pour lui. Non, pour moi, je pense. En fait, j'avais du mal parce que avec le coup, il a quand même, il aura un moment dans la partie. Ça qui était dur, c'est qu'il a un moment où il a deux coups. Enfin, il a un coup gratuit en fait. Donc ouais. Ouais, il me propose ce coup. J'ai pensé aussi à un moment, plus tard dans la partie, quand je commençais déjà à être dans la merde en fait. Quoi, il avait coupé là. Ouais. Il dit qu'il a deux coups gratuits d'importe quel moment de la partie grâce au coup. Et moi j'ai complètement ignoré le fait en fait quoi, c'est un peu bête. Ça autant sécuriser le groupe faible. Et même si j'avais peur du Shimari, bah ouais c'est un gros coin. Mais bon, on a vu qu'il y avait de la G, hein. Quand tu prends des gros coins, bah, ou alors il en fait un plus petit par exemple. Et voilà quoi, c'est 12 points. Et en face, il y a ça quoi. Rien que les notes pierres capturées, c'est 12 points. Donc
C5 quand je l'ai joué gourmandise, peut-être. Pas une bonne vision globale. Un peu dommage. Ouais. Alors que ça, en plus, si jamais je jouais mon renforcement qui prenait le coin ici, bah, je pouvais prendre l'autre. Donc ça va quoi, il y avait rien de dramatique en fait. J'aurais eu 3 coins et lui 1. Et même, je n'avais pas besoin de prendre le coin, même s'il en avait 2. Si je dis si je défendais bien avec le coup que j'avais rajouté, si je défendais bien, il fallait faire quelque chose de groupe. J'avais même M4 par exemple. Ah, il y avait des choses à faire, ouais. J'ai pas été très malin sur ce coup là. Pardon. Et il me dit que c'est pas a priori, c'est pas très bon de laisser C4 être pris, c'est bizarre. Bizarre, mais en même temps c'est vrai que la séquence j'aime pas du tout, je trouve ça moche quoi. Mais c'est ce qu'on m'a appris en tout cas, moi c'est que si blanc prend le coin, tu dois faire l'atterri dans l'autre sens. Et je vois souvent des joueurs faire ça. Après souvent des joueurs de mon niveau, donc on sait bien, on fait tous les mêmes conneries. Mais là c'est immonde quoi. Là c'est immonde, il y a un angle vide, c'est et on a rien quoi en fait, on a rien gagné. Ah, je trouve ça hideux pour noir en fait. Et en plus il y a une pierre blanche en C8. Ça fait assez mal je trouve. Et lui il maintient que noir ici est plus léger et qu'il reste de la G dans le coin. Ok. Ça j'aurais vraiment du mal à le jouer je pense. Ah ouais, j'aurais vraiment du mal à me faire une mauvaise forme comme ça et à... Ouais, oui, ouais. Après, c'est pas si gros le coin. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Sachant qu'en plus je suis pas en retard non plus dans la partie, ouais, je joue léger. Oh, pff. Là il y a ça, ça fait très mal. Même un D6, ça fait hyper mal à la forme, je pense. Ouais, un D6 ici là. Je fais quoi, je connais de là. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de base de vie. Moi je suis pas d'accord, je pense que ça c'est pas fou. Hein. Après c'est peut-être un style différent, mais ça me parle pas du tout. Ouais, là. Du coup je vais montrer, il prend ça. Ah, c'est pas incroyable. Je suis pas sûr que Noir soit content ici, hein, satisfait. Hein. Sachant qu'à la base, il a juste approché un... C'est une approche de Komoku. Hein. Blanc a un très grand truc d'un côté, et est installé de l'autre. Noir n'a pas de base de vie, et n'a pas une influence forte. Je pense que c'est 1000 fois mieux pour Blanc. Il y en a qui ont un avis différent, hein, dis-le, hein, mais... Dommage, Thérapie est parti, il aurait pu le dire. Ouais. Pas convaincu en tout cas. Ouais. Pas très convaincu hein, par tout ça. Et ici, ouais, je... Attends, qu'est-ce qu'il a fait, là? Il m'a fait pousser dans le sens, tac, tac.
Là, effectivement, j'ai eu un problème. Là, j'ai pas fait la bonne séquence. J'ai reculé au lieu du 1, j'ai reculé. Et j'ai trop pensé au coin aussi. Mais non, mec, t'es en train de mourir en fait. Non, en vrai, c'est chaud. Hein. Bon, heureusement, là, il me reste la porte de sortie hein, par là, mais. Mais en vrai, c'était chaud comme séquence. Ce coup il est horrible en vrai, hein, pour moi. Surtout au moment de quand on est dans la partie, il faut imaginer que Blanc est descendu ici, donc c'est compliqué. Très serré quoi. Ouais mais le problème c'est le suite quoi. Je suppose qu'on fait ça quoi. Il y a ça. Mais c'est dur quoi. Après Noir il fait quoi? Il fait ça? Et finalement, oui, c'est pas si gros. Hein. Et là, on sort un peu, on a l'initiative pour sortir. Alors, je lui demande ça, il dit non. Ok. Qu'est-ce qu'il dit alors? C'est un kata pour Noir, il me dit. Ok. Qu'est-ce qu'il ferait ici? On voit pas, il joue quoi ici? Parce que là, il faut bien rajouter un coup, hein, sinon c'est compliqué. Si Blanc joue encore ici, là, je suis mort. Je sais pas trop. Bref, je pense que je la regarderai la prochaine fois. Là, je vais pas tarder à partir, parce que j'ai demain matin la troisième partie, du coup, contre le plus fort en plus des trois, Tigwen. Alors je pense que c'est plus fort, j'ai déjà vu jouer, c'est plutôt pas mal. Il est un peu au-dessus de moi quand même. Mais ça va être super intéressant, je pense aussi. Demain matin à 10h là. Je pense que je la streamerai aussi. C'est sympathique à poster après sur YouTube. Celle-là était beaucoup moins belle, désolé, que celle de mardi. J'étais beaucoup plus content de ma partie de mardi, même si je l'avais perdu aussi, hein, mais j'étais beaucoup plus content de la partie. Là, j'ai l'impression de m'être fait bouffer. Dommage. Dommage. Bon allez, je vais le laisser. Et je vais vous laisser vous aussi. Je vais vous dire à demain s'il y en a qui sont dispo pour regarder la partie à 10h. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre les streams sur un horaire habituel. Où c'est le mardi et le vendredi à partir de 15h jusqu'à 18h environ quoi. Ça dépend des longueurs des parties forcément. Et je signale aussi si, parce que là j'avais dit à certains, s'il y en a qui des fois veulent des parties pour faire des simultanées ou des n'importe quoi ou un Rengo, ça peut être sympa. Voilà. N'hésitez pas à follow si vous n'avez pas follow la chaîne et je vous dis à demain ou mardi prochain. Allez, bonne fin de soirée à tous. Salut.